Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Fallout Shelter pour continuer nos aventures. Donc c'est parti, je crois que j'avais une ou deux quêtes en cours. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je crois que j'avais une quête en cours et un retour. Et donc nous allons voir ceci. C'est vrai que nous avions les écorcheurs, ah non, ça ne nous a pas du tout bousillé les ressources, on est content. Très bien. Et 89 personnes dans l'abri. C'est merveilleux. Nous pouvons même dire que c'est incroyable. Incroyable. Oui, j'ai bien dit incroyable, monsieur. Messieurs, dames. Oh là là. Oh là là. Attends, ils se foutent de moi, là. Eh, la ville, hein. Oh, et ah non, punaise. Oh, je suis mort. Non. Pourquoi? Ah, parce que comme je me faisais attaquer, ça ne rechargeait pas la santé de mes personnages. Très bien. Voilà, j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pour éviter en fait que ces personnages soient, on va dire, voilà. Normalement, si je l'aurais fait après, les personnes qui sont décédées auraient tout simplement repris leur place, comme si. C'était classique, hein, ce qu'il est, hein, en soi. Ils auraient retourné dans la salle. Là, ils fuient parce que, justement, ils sont morts dans cette salle. Ils sont morts et on les a réanimés avant. Ah, donc j'ai bien deux équipes actives, c'est bien ce que je pensais. Ah, oh, j'hésite entre l'hebdomadaire... Bah ouais, l'hebdomadaire, c'est... En fait, pourquoi j'hésite? Il n'y a pas besoin d'hésiter. C'est parti, j'ai envie de vous dire. C'est parti. À part lui, là. Pourquoi t'as une arme nulle? Ah oui! Mais non! Ah oui, mais non. Comme j'ai envie de vous dire, hein. Pourquoi oui, mais non? Parce que tout simplement, je vais l'avoir dans le baba. Donc là, c'est parti. On va aller... soit c'est viser la tête, soit c'est course au bric-à-brac. On va faire course au bric-à-brac. Parce que normalement, ça devrait être rapide. On pourra reprendre nos personnages. Et on va un peu rééquilibrer les steampacks à donner. Parce que là, bon, c'est des personnages qui sont quand même balèzes. Donc, on peut se permettre d'en mettre un peu moins. Moi, je pense qu'il risque d'avoir 4 salles en haut. Au moins 4 salles. À moins que là, ils vont m'embêter, ils vont vouloir faire que des salles de 2 minimum. Ah. C'est abordant. Bon, là, on l'a contré, leur attaque d'écorcheur. C'est cool. Du coup, je ne sais plus... je sais que je dois vendre des objets et des tenues pour gagner une petite boîte. Après, à vrai dire, je ne sais plus, parce qu'on a fini enfin les coups critiques, c'est cool. Depuis le tas. Ok. Ah bah oui, mais je peux pas, moi. J'ai cru qu'il n'y avait pas d'ennemis, mais si. On a les work of all. Ça va, on est déjà à notre deuxième étage sur les 5. C'est cool. C'est cool. Ça se fait tout doucement. Mais si vraiment.
33, très bien. Une grande salle, ce serait parfait, là. Ce serait parfait, mais est-ce que ça va être une grande salle? Ok, c'est bon. Et non. Petite salle et peut-être une moyenne après. Ce serait bien. Ah parce que là on n'utilise pas de Steam Pack. Je pense que genre 10 Steam Pack pour eux et 15 Steam Pack pour le reste. Ça pourrait donner une petite justice, on va dire, de nos camarades. Ok. Bon, j'ai quand même utilisé pas mal de caps du coup, le fait que mes personnages soient décédés. Ah oui, c'est vrai. Je crois que j'avais mis quelqu'un en dehors de l'abri. Qui n'avait même pas de Steam Pack et pas de Red Away. On va voir ça après. Je sais pas combien de temps elle aura survécu, mais je pense pas énormément de temps. Faudrait qu'on puisse améliorer ceci, hein, c'est-à-dire les Steam Pack et les Red Away. Ok. Ça se passe. Le bric-à-brac, on l'a. Troisième étage complété. Dommage. Et du x5, dans tes dents, bitch. Ah, 1,25, c'est pas ouf, hein. Ici. Ah oui, là carrément, j'ai dit oui. Oui, comme il dit, oui. Le pouvoir de dire oui, oui. Tu m'embêtes. C'est complètement overkill, mais c'est pas grave. J'aime bien. J'aurais utilisé là, par contre ça aurait été mieux, mais que voulez-vous. L'amour du risque. Allez. Et encore un petit plan, oh ça va être cool. Ça va être cool. J'aimerais vraiment voir les doublons, mais il me semble, comme je vous ai dit, 1500 caps. Là, si on pourrait les avoir, les doublons, oh là 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 là, le bonheur, le plaisir. Ah, parce que là, vous faites que des quêtes comme ça. Et vous allez être tranquille. Bon, ça va, le scribe tient le coup quand même. Hein. Voilà, focusser une personne, après vous reprenez le focus sur la deuxième, et puis voilà, ça va faire mal. C'est ce qu'on veut, le tuer le plus rapidement possible, éviter de faire trop de dégâts. Pour 2000, ça va. En sachant que ça va quand même assez vite avec ce groupe-ci. Donc, rentable. Ok, pourquoi pas, des tenues ça peut être sympa aussi. Et armes, ok. Ben voilà, on a terminé. J'espère voilà, bientôt avoir au moins minimum un ou deux plans complétés pour les salles. Une fois que ce sera fait, par contre, on sera bien.
Hop, confirmé, on utilise le Nuka Cola Quantum. Ça me donne tellement envie de les acheter. Là, si je fais ça, je défonce quand même déjà 12 de mes chers Nuka Cola. Ok. Oui, ça se rapproche, hein. Pourtant, on l'a pas acheté il y a très longtemps, hein. Vous voyez que, en fait, l'importance dans ce jeu, c'est dès que vous commencez à débloquer le coin des thèmes, ensuite, ça ne peut qu'être que du bonheur. Ah, quoique, ça peut être, ouais, non, ça peut être dangereux, mais des deux côtés, en fait. Bon, écoute, j'ai envie de dire, on tente. Si on ne tente pas, c'est pas que ça va pas être drôle, mais ça va pas être fou. Voilà. 15, ça me paraît pas trop mal. Là, surtout que c'est des ghouls, vaut mieux se méfier. Non, de toute façon, j'ai pas mieux hein, là quand même. Voilà, comme ça, c'est sûr. On va pouvoir vraiment se mettre bien. Voilà. Là, par contre, ce qui devient un peu embêtant, c'est le fait qu'on est très peu d'intelligence. Il y a personne, non, personne à fond. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pillards. Les pillards, par contre, vous allez souffrir. Hein. Ah. Et certains personnages risquent de souffrir aussi, en fait. Quoique. En vrai, c'est, à mon avis, c'est eux qui vont souffrir. Ils vont peut-être me voler quelques caps, malheureusement. Donc faut pas oublier que non plus dans le jeu, on peut pas être à 0 caps. On ne peut pas. Je crois qu'il faut avoir au moins un minimum de une capsule pour justement bah voilà, ne pas avoir de soucis si on veut acheter. Donc si on aurait 12 001 pour une amélioration de 12 000, ça passe. Parce qu'on a eu le coup, hein. Ah ouais, tu veux qu'ils fassent quoi les pillards en fait là? Franchement, c'est pas pour me vanter, mais on a quand même upgradé un petit peu le stuff de ses chers camarades. On va collecter juste pour faire du recyclage. Je vais faire le recyclage maintenant. Comme ça, bah, ce sera fait vu qu'on s'est déjà fait attaquer. Alors attendez, on doit faire quoi? Ok, donc les feux, il faut les couper. On a 180 armes à récupérer, on doit en vendre. C'est vrai. Ah bah j'aurais dû vendre en fait. Je voulais recycler mais non, c'est vrai, vendre. Non, j'hésite parce que là, c'est quand même des bonnes armes. C'est armes forcément ou... Non, je crois que c'est armes et tenues. Attendez, je sais plus. J'ai un doute. Ouais, c'est ça. Ok, donc dans les tenues... Ça m'embête parce qu'après le reste c'est quand même convenable. Donc là ce que je peux éventuellement faire c'est regarder les stats en force et mettre des choses intéressantes.
sur nos personnages. On s'en fout de lui. Ouais, même moi, mes persos. Ok, donc là ça ne sert plus à grand chose. Alors là ici c'est la perception. Perception. Ah non, c'est pardon, c'est pas la perception, c'est l'agilité. Ah non. Chiant. Tiens. On va remettre en dessous, hein, bien forcément. Y a pas mieux ? Non. Pourquoi la batterie, lui ? Pourquoi pas ? J'en veux dire, hein, pourquoi pas, hein. Alors, endurance, on s'en fout. Le charisme, on verra après. Pas l'intelligence, mais l'agilité. Voilà. Bon, bah, c'est tout. L'intelligence, maintenant. Très bien. Ensuite, ici, il nous faut de la perception, mais il faut aussi que je déplace ce personnage. En fait, on va plutôt voir... Qu'est-ce qui peut être intéressant? Bon, il y a les habillés coquins, ok. C'est nul. C'est pas fou, mais je vais mettre ce que je peux. C'est-à-dire que les x5 que je vais les mettre. On va peut-être mettre de l'endurance en fait. Je peux pas en avoir beaucoup aussi. Ah, j'en avais une autre. J'ai vu. À la fin. C'est peut-être long, hein, mais une fois que c'est fait, on sera content. La chance. Je crois que en plus j'en ai plusieurs des tenues comme celle-ci. Ah voilà. Voilà, voilà. Ah, il nous en reste encore. Il nous en reste encore. On est presque à 100, c'est cool. On va se dépêcher de quitter parce que sinon on risque de se faire attaquer. Donc voilà les amis. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Battle les capis, on s'en moque. Du coup, on va se retrouver pour terminer pour le moment la deuxième quête que nous avons à faire. Je vous dis donc à très bientôt au bout de prochaine aventure les amis. Salut à tous!